Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais reproduire les plus beaux buts de l'équipe de France lors de cette Coupe du Monde 2022 au Qatar. On reproduira les buts de Mbappé, de Hernandez, mais aussi de Tchouaméni face à l'Angleterre. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Sans plus attendre, c'est parti. On passe directement au premier but. Un magnifique but lors d'un match très tendu entre la France et l'Angleterre. On a Tchouaméni qui va nous libérer ce match au-delà des 20 mètres du but avec une magnifique frappe qui finira dans le petit filet opposé au gardien. Sans plus attendre, on va tenter de reproduire ce but et voir en combien d'essais nous pouvons réaliser ce geste merveilleux. C'est parti. Les amis, je vais vous présenter un peu le contexte du but. Venez avec moi. On aura Tchouaméni qui est à ce niveau-là, qui va feinter donc le défenseur et qui va pouvoir frapper en croisée au niveau du but derrière moi. On a aussi donc deux joueurs qui vont aussi jouer le rôle des deux défenseurs. Comme ça, on est plus dans les conditions de ce match magnifique entre la France et l'Angleterre. Allez, c'est parti. On se décale. Oh! Oh, dommage, dommage. Les gars, il faut vraiment viser la lucarne opposée. Ah, dommage. Allez, les amis, on continue. Décalage. Hop. Ça aurait été un beau but aussi, mais bon, je pense que le gardien est quand même sur la trajectoire. Oh, dommage. Tchouaméni, les amis, il fait un contrôle, mais pas en direction du but. Il fait donc perpendiculaire au but. Et après, il va par contre croiser sa frappe. Il va aller dans le petit filet. Contrôle. Comme ça, et après elle rentre. Bon, on s'y approche, mais la frappe est pas assez forte. Oui. Oui. Dommage. Oh. Dommage. Les amis, ce qui est dur, c'est que Tchouaméni, il est pas directement dans le sens du but. Il est plutôt donc perpendiculaire au but, et après il va croiser sa frappe. Et ça, c'est pas facile. Ouais. Dommage. Il y a un peu trop de rebond. Les amis, on est bien, mais il y a un peu trop de rebond. Faut vraiment que ça parte sec. Oui. Non. C'était ça. Il fallait que ça rentre. Oui. Dommage. Oui. Non. Derrière lui, Tchouaméni, oui. Et pourquoi pas, Aurélien Tchouaméni, 17ème minute de cette première période, le milieu de terrain. Nous allons maintenant reproduire le deuxième but, un but historique entre la France et le Maroc. Je vous explique un peu le contexte. On a le frère de Lucas Hernandez, Théo Hernandez, qui nous met un magnifique but. Une sorte de frappe en ciseaux, sans tomber, on aurait dit un coup de karaté. Donc il se met à peu près à ce niveau-là, dans cette zone balisée par des plots orange. Il va mettre un coup, donc une sorte de ciseau. Ça va passer à côté du goal et à ce niveau-là, ça va toucher la ligne et ça va rentrer dans les buts. Donc le caméraman enverra la balle au hauteur comme le contre. Ça rebondit dans le carré orange et la frappe d'Hernandez. On va essayer de reproduire le but de Théo Hernandez sans plus attendre. C'est parti, let's go. Vas-y, vas-y, vas-y. C'est parti les gars. Oh. Les gars, au bout du cinquième essai. Alors ce qui est dommage, c'est qu'à balle, bon avec le terrain ça rebondit un peu moins haut, mais sinon on est sur le but qui est assez similaire, mais il faudra aller chercher la balle un tout petit peu plus haute. On va voir si on peut faire mieux, c'est parti. C'est parti les gars. Là, elle vient. On continue, on essaie vraiment de choper la balle bien haute comme Hernandez. Reprise, allez, c'est parti. Non, il ne prend pas si, finalement. Et au second poteau. Oh, au second poteau qui est là. Encore Théo Hernandez qui était plus haut que tout le monde. On passe maintenant au troisième but. Le but de Mbappé face à la Pologne. Un magnifique but où il va prendre le gardien à contre-pied et même l'équipe adverse. Il va se retrouver au niveau de la balise orange. Il va se préparer à tirer, il ne va pas enrouler, il va piquer directement sur cette partie du but. Et on aura le caméraman qui sera au gardien et qui devra essayer de plonger pour arrêter le ballon que je devrais tirer à ce niveau-là des cages. Sans plus attendre, c'est parti pour reproduire ce magnifique but d'Mbappé. Let's go! Oh.
take some time, feel the pain, hit the grind, I could change in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win in life. I never miss that fact, take a big swing, hand me the bag, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. And got... Bon les gars, c'est à peu près ça, mais il faudrait mettre plutôt sous la barre. Allez, 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 Kylian ! Oh là 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 ! Kylian Mbappé, 75e minute ! Quatrième but, le but encore d'Mbappé face à la Pologne, magnifique enroulé dans, vers la lucarne opposée, même si le gardien la touche un peu, on va essayer de reproduire ce but majestueux. Venez avec moi les amis, on va être au niveau des zones comme Mbappé, on va devoir se décaler sur le côté, enrouler la balle sur l'autre lucarne, on aura nos trois plots qui joueront, donc les défenseurs polonais, on essaye vraiment de se mettre dans la situation du match. C'est parti pour reproduire le but de Mbappé face à Pologne, let's go, premier tir. Bon là on commence direct les gars. Oh là 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 là, magnifique. Ah. Le but d'Mbappé les gars, let's go. Là on vient de reproduire le but de Mbappé. Dommage que le gardien la touche pas un peu comme dans le vrai but. Mais sinon au niveau de la trajectoire c'est ça. Allez on repart pour refaire le but. Mbappé. Oh, encore, encore, toujours. Cette fois-ci, c'est la lucarne opposée et le doublé comme il y a 4. Cinquième but. On passe maintenant au magnifique but de Kylian Mbappé face à l'Argentine. Ce but qui nous a donné mais tellement d'émotions lorsque le joueur Thuram envoie la balle à Mbappé par un magnifique lob et Mbappé il te fait une reprise de volée. Je ne sais pas comment il l'a fait. Il est trop fort et il a mis un magnifique but qui a fait le 2 buts à 2 face à l'Argentine et c'était juste magnifique. On y a cru jusqu'au bout. Sans plus attendre, c'est parti pour reproduire ce but majestueux de Kylian Mbappé. Let's go. Premier essai. Il y avait un truc. Hein. Il y a un truc les gars. En vrai Mbappé, ouais, si tu t'appliques bien, elle passe. Oh non. Les gars on est pas loin. C'est presque le but d'Mbappé. Oh. Oh. Les gars il y a un truc. Tête de Kylian Mbappé. Allez, allez Kylian. En tout cas les gars, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Les amis, on passe maintenant au sixième but. Le but d'Mbappé, le penalty, le premier but des Français face à l'Argentine à la 80e minute. Le but qui nous a redonné espoir. Un but de Mbappé qui va aller sur le petit filet en bas. Et c'est juste magnifique les gars, ça nous a donné de l'espoir. Et le tir, il était puissant et magnifique face à un gardien quand même assez fort. Donc les gars, faut vraiment tirer là-bas au fond, dans le petit filet. C'est parti. C'est un beau penalty, mais c'est pas du tout ça. Ah, faut que ça soit à terre. L'espoir de faire douter l'Argentine. Kylian Mbappé face à Martinez. Voilà, oui, voilà. Allez, il est débarqué, Mbappé, mais ça va en fond. Et Kylian Mbappé qui se jette. Donc là, on vient de reproduire le but de Mbappé, le pénalty face au gardien argentin. Et c'est vrai que c'est pas facile. Déjà, il faut savoir que le caméraman, c'est pas un gardien. Quand tu plonges, ça fait un peu mal avec un terrain dur. En revanche, on a essayé d'être le plus précis sur la frappe d'Mbappé, ce qui est le plus important. Donc, dans le petit filet, à l'opposé. Et voilà, on touche à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On aura essayé de reproduire au mieux les buts de l'équipe de France lors de cette Coupe du Monde 2022 au Qatar. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Dites-moi dans les commentaires.
quel a été votre but préféré de l'équipe de France? Moi, j'ai adoré le but d'Mbappé face à l'Argentine lors de cette finale majestueuse. En tout cas, si ce genre de concept vous plaît, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu pour m'encourager et me dire si vous voulez que je continue ce genre de concept à l'avenir. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et activez la notification pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et nous, on se retrouve à la prochaine séquence dans quelques jours. Ciao les boss!